Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un bateau ainsi qu'une petite histoire une fois qu'il sera terminé. Pour commencer, veuillez prendre une feuille de format A4 et positionnez-la devant vous en format portrait. Puis pliez-la symétriquement en deux, comme ceci. Puis rabattez les côtés en diagonale, comme, excusez-moi, comme cela. Là, là. Puis rabattez les rectangles de papier restants par-dessus, comme ceci. Enfin, le rectangle, le bas sur les voiles, bien sur le côté de la voile, comme cela. Puis retournez votre feuille et pliez les angles sur les axes de la voile, comme ceci. Voilà, comme cela. Là, là. Puis rabattez le bas de la feuille, encore une fois, sur le triangle pour former ceci. Veuillez prendre ensuite votre feuille comme cela et saisir les côtés comme ceci. Là, 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 comme ça. Peaufinez votre feuille pour qu'il n'y ait pas de mauvais plis. Puis pliez comme cela. Alors, attendez, je vais vous remontrer. Comme cela là. Voilà. Veuillez bien marquer vos plis précédents pour ne pas échouer dans cette partie de la réalisation. Puis rabattez les angles comme ceci. Les angles. Pliez symétriquement votre feuille à nouveau en prenant l'extrémité avec le plus d'épaisseur de papier, comme cela. Faites de même de l'autre côté pour obtenir ceci. Puis reprenez votre feuille comme à une étape précédente. Ressaisissez les extrémités. Ce sera beaucoup plus simple car les plis sont déjà faits. Et tirez à nouveau pour reformer quelque chose semblable à cela. Enfin, saisissez le sommet de votre carré ou losange, et tirez-les vers l'extérieur, comme ceci. Et peaufinez votre bateau pour bien marquer les plis, faire une coque plus ou moins large, une voile plus ou moins large, et le faire tenir debout si besoin, comme cela. Voilà, vous avez maintenant fait votre bateau. Vous pouvez dès à présent raconter votre histoire à vos enfants ou à vos proches ou à votre famille, lors d'un dîner de famille, par exemple, ou une grande occasion. Il était une fois un bateau qui naviguait dans l'océan. Un jour, il rencontra un iceberg. Veuillez mimer
un bateau qui rencontre un iceberg et déchirer une des extrémités de la coque afin de former un angle droit avec le restant, comme ceci. Veuillez à ne pas déchirer au-delà de l'axe le plus bas de la coque. Sinon, votre histoire ne pourra fonctionner. Tout l'équipage était ainsi regroupé sur le pont, prêt à intervenir en cas d'alerte si le bateau avait subi quelques problèmes. Mais il semblait que le bateau continuait d'avancer. Lorsqu'il rencontra un deuxième iceberg, veuillez déchirer la deuxième extrémité de la coque. Comme cela. Toujours en formant un angle droit. L'équipage affolé monta. Tous les hommes montèrent sur le mât du voilier. Et le poids fut si énorme, fut si intense, que le mât céda et qu'il tomba à son tour dans l'eau glacée. Veuillez déchirer la voile de votre bateau. Le bateau succomba ainsi à son destin et coula dans l'océan. Quelques années plus tard, passa un sous-marin et après exploration des fonds marins, veuillez prendre la coque, enfin ce qu'il en reste, sur les extrémités des côtés, comme ceci, et veuillez tirer afin d'obtenir cela. Je disais donc que un sous-marin explorant les fonds marins retrouva le bateau et pliez votre feuille en deux. Ils retrouvèrent dans la soute le maillot du capitaine. Et voilà, vous venez de faire un bateau ainsi qu'une petite histoire à raconter à vos enfants. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette réalisation et cette vidéo, et peut-être à bientôt.